Bonjour, Marine Bescombe, psycho-énergéticienne, consultante et formatrice en diverses approches du développement personnel, connaissance de soi. Dans le cadre de l'association Agapé Évoluence, j'anime divers ateliers de soins énergétiques et de méditation. Aujourd'hui, dans cet enregistrement, je vous propose une méditation de nettoyage énergétique. Alors, cette méditation va être basée sur de la symbolique. Vous écoutez ce que je raconte, vous essayez de visualiser. Si vous n'arrivez pas à visualiser, il est possible que vous ressentiez des choses dans votre corps comme si vous les viviez de l'intérieur. Il est possible que vous voyez les choses par la visualisation. Ou il est possible tout simplement que vous vous endormiez, ce n'est pas grave, le nettoyage se fait. Alors, dans chaque méditation, je fais commencer généralement par des respirations profondes. Entre chaque respiration profonde, vous pouvez respirer normalement. Je ne vous dirai pas, ne restez pas en apnée, pensez bien à respirer et à souffler. Je vais vous raconter des petites histoires. Suivez l'histoire. Si toutefois vous partez dans une autre direction qui est agréable, qui vous permet de lâcher prise, si vous voyez d'autres choses par rapport à ce que je dis, ce n'est pas grave. Ne cherchez pas absolument à revenir vers ce que je suis en train de dire. Écoutez la vibration, écoutez le son de ma voix et laissez-vous porter. Alors, veillez à ne pas être dérangé. Coupez le téléphone s'il faut. Pensez à boire avant la méditation, après la méditation. Prenez vos précautions. Et vous pourrez arrêter cet enregistrement et le redémarrer une fois que vous serez prêt. Si vous avez envie, vous pouvez allumer une musique de méditation derrière, de relaxation, une bougie, un bâtonnet d'encens. Ça, c'est le libre choix de chacun. Dans cette méditation de nettoyage énergétique, je vais utiliser des symboles, des petites flammes de couleur et une étoile de David. Alors, une étoile de David dorée, si vous n'arrivez pas à voir l'étoile de David, c'est l'étoile à six branches, vous pourrez voir une boule de lumière dorée à la place. Alors, vous êtes prêts? On y va. On inspire profondément en gonflant le ventre. On bloque la respiration et on souffle par la bouche. On inspire profondément, gonflant le ventre. On bloque et on souffle. On inspire profondément, gonflant le ventre. On bloque et on souffle. Petit à petit, on prend une respiration normale. On se centre sur le mouvement de notre ventre. On va visualiser ou imaginer une étoile de David dorée, une étoile à six branches. Peut-être qu'elle en aura plus, peut-être qu'elle en aura moins. Cela peut être une boule de lumière dorée. Et on va la placer sur notre pubis. Par cette boule de lumière, par cette étoile de David dorée, va entrer une petite flamme rouge en nous.
cette petite flamme rouge va directement aller à un point précis de notre corps. Laissez-la circuler. Laissez-la aller vers ce point précis. Et prenez note des points où elle se dirige. Maintenant, on va visualiser cette petite flamme rouge, ou on va l'imaginer. On va lui demander de descendre dans notre jambe droite. Elle va descendre dans notre cuisse. Cette petite flamme rouge nettoie tout, guérit tout. La petite flamme rouge descend dans notre jambe, dans notre cuisse, dans notre genou. Elle nettoie, elle éclaircit, elle guérit. Lorsque la petite flamme rouge a nettoyé, éclairci, et guérit notre genou droit, elle descend le long de notre tibia, le long de notre mollet, elle remplit notre jambe, elle remplit notre cheville, elle la nettoie, l'éclaircit, la guérit. Cette petite flamme rouge a rempli toute notre jambe droite et elle continue son chemin. Elle remplit notre pied, nos orteils. La petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, remplit notre pied, le nettoie, l'éclaircie. Et la petite flamme rouge remonte, entraînant avec elle tout ce qu'elle a nettoyé, tout ce qu'elle a guéri. Elle remonte dans notre bassin et elle va descendre dans notre jambe gauche. La petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, va descendre dans notre cuisse gauche, remplir notre cuisse, nettoyer, éclaircir. Et la petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, continue son trajet, elle va remplir notre genou gauche. La petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, va continuer son chemin, descendre le long de notre tibia, de notre mollet, elle va remplir notre jambe jusqu'à notre cheville. Elle nettoie, elle éclaircit. Et lorsque la petite flamme rouge, qui nettoie tout, qui guérit tout, a nettoyé notre cheville, elle continue son chemin et elle va remplir notre pied gauche. Nos orteils. La petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, remplit toute notre jambe, notre genou, notre cheville, nos orteils. Elle entraîne avec elle
tout ce qui est à nettoyer, tout ce qui est à guérir, tout ce qui est à transmuter. La petite flamme rouge va remonter dans notre jambe, dans notre cheville, notre tibia, notre mollet, notre genou, notre cuisse. Et cette petite flamme rouge va remplir notre bassin, notre pubis, nos hanches. La petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, remplit tout notre bassin, notre ventre. Elle nettoie, elle éclaircit. Et lorsque notre bassin est nettoyé, éclairci, la petite flamme rouge continue sa progression. Elle monte jusqu'à nos côtes, notre estomac. Elle nettoie tout, elle guérit tout, elle transmute. Elle entraîne avec elle tout ce qui est à libérer, tout ce qu'on a besoin d'évacuer, de nettoyer. La petite flamme rouge continue son chemin et elle va remplir tout notre torse, tout notre tronc, tout notre corps, nos bras. La petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, remplit notre torse. Elle guérit, elle nettoie, elle éclaircit, elle transmute. Elle emmène avec elle tout ce qu'on a à libérer. La petite flamme rouge va descendre dans notre épaule gauche, dans notre bras, jusqu'à notre coude. Elle nettoie, elle guérit, elle transmute. Et elle entraîne avec elle tout ce qu'on doit libérer. La petite flamme rouge qui guérit tout, qui nettoie tout, descend le long de notre avant-bras jusqu'à notre poignet. Elle le remplit, le nettoie, l'éclaircit. Elle le transmute. Elle entraîne avec elle tout ce que nous avons à libérer. La petite flamme rouge qui guérit tout, qui nettoie tout, coule dans notre main, dans nos doigts, dans chacun de nos doigts. Elle nettoie, elle l'éclaircit, elle transmute. Elle entraîne avec elle tout ce que nous avons à libérer, à nettoyer. La petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, remonte le long de notre bras, poignet, coude, épaule, et elle va couler dans notre bras droit, l'épaule, le bras, jusqu'au coude. Elle nettoie, elle guérit, elle éclaircit, elle transmute, elle entraîne avec elle tout ce que nous avons à libérer. Et la petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, continue son parcours. Elle descend dans notre avant-bras droit. Elle remplit notre poignet, le nettoie, l'éclaircit. La petite flamme rouge transmute les énergies. Elle remplit notre poignet. Elle entraîne avec elle tout ce qui est à libérer.
et elle coule dans notre main droite, dans notre paume, dans nos doigts. Elle nettoie tout, elle éclaircit, elle transmute, elle entraîne avec elle tout ce qui t'a libéré. La petite flamme rouge remplit tout notre corps et elle va remonter le long de nos doigts, de notre paume, de notre poignet droit. La petite flamme rouge qui nettoie tout, qui guérit tout, elle entraîne avec elle tout ce que nous avons à libérer. Et elle remonte dans notre coude. Elle nettoie, elle guérit, elle transmute, elle éclaircit et elle entraîne avec elle tout ce qui est à libérer. La petite flamme rouge remonte dans notre épaule et elle va aller dans notre gorge, dans notre chakra de la gorge, dans notre nuque. Elle remplit, elle nettoie, elle éclaircit. La petite flamme rouge transmute les énergies. La petite flamme rouge entraîne avec elle tout ce que nous avons à libérer. Elle emmène avec elle tout ce que nous n'avons plus besoin pour notre plus grande liberté. La petite flamme rouge remplit notre gorge, remplit notre tête, la nettoie, l'éclaircit. La petite flamme rouge remplit toute notre tête, nettoie, éclaircit, elle transmute et elle emporte avec elle tout ce que nous n'avons plus besoin, tout ce que nous n'avons plus besoin et dont nous voulons nous libérer. On est nettoyé. On va visualiser deux petites fenêtres derrière notre tête, sur notre occiput. On va ouvrir ces fenêtres et on va donner la liberté à la flamme rouge, entraînant avec elle, peut-être dans une explosion, peut-être juste sortir comme ça, tout simplement. On va donner la liberté à la flamme rouge d'emporter avec elle tout ce que nous n'avons plus besoin. Lorsque tout est sorti, tout est nettoyé, on prend soin de refermer les petites fenêtres derrière notre tête. On prend conscience du jour que nous sommes. On prend conscience du lieu où nous nous trouvons, du jour, de l'heure. On va revenir doucement dans l'ici et maintenant. On bouge un peu notre main, nos mains. On va bouger nos pieds, nos bras, notre nuque, à notre rythme. On bouge nos jambes, chacun de nos membres. On s'étire. Et quand on est prêt, on ouvre les yeux, on revient dans l'ici et maintenant.
Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps pour vous de revenir dans l'ici et maintenant. Alors on bouge bien notre nuque, bien nos jambes, bien nos bras. On s'étire et on revient dans l'ici et maintenant. On ouvre les yeux. Alors voilà, cette méditation de la petite flamme rouge, cette méditation du nettoyage énergétique est terminée. Vous allez pouvoir boire un grand verre d'eau, bouger, faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez besoin de faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Ou alors, je vous donne rendez-vous à l'association Agapé Évoluance à Fos-sur-Mer pour les ateliers de méditation dirigés. Marlène Bescon, le 06 20 12 88 62 pour toute information. Vous pouvez me trouver sur la page Facebook de Centre Psycho Kimkopsi ou sur mon site. Je vous dis à bientôt.